Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Et oui, on va parler de Cardano parce que tout simplement, bah écoutez, je suis la tendance, tout le monde parle de Cardano et vous allez voir qu'il y a une bonne raison à ça. Alors déjà, au niveau du graphe et de son cours, on a vu avec le crypto crash où la majorité des crypto-monnaies, je ne vous apprends rien, se sont cassées la figure tout simplement. Eh bien, il y en a quelques-unes qui ont résisté et puis surtout, il y en a qui ont continué leur progression. Parmi celles-ci, il y a ADA. Et finalement, cette progression, en fait, elle est super logique parce qu'elle suit une mise à jour, un hard fork qu'a connu Cardano et qu'a mis en place et qui s'avère extrêmement intéressant. Alors oui, on connaît Cardano depuis longtemps, hein, ça fait déjà depuis 2015 qu'on entend parler de Cardano, mais c'est vrai que, bon là, maintenant en 2021, ça fait déjà pas mal d'années qu'on attend qu'il y ait du mouvement parce que l'objectif de Cardano, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est souvent appelée, elle est considérée comme étant un Ethereum killer, c'est-à-dire qu'une blockchain qui pourrait remplacer allègrement Ethereum. Il faut savoir qu'on parle quand même de la crypto-monnaie qui est à la cinquième place en termes de capitalisation boursière, c'est juste énorme, et pendant très longtemps d'ailleurs, elle a flirté plutôt à la troisième, quatrième place. C'est vous dire qu'on ne parle pas de n'importe quel projet, on ne parle pas de n'importe quelle crypto-monnaie, et bien que pour beaucoup, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est certainement l'une des crypto-monnaies les plus sous-évaluées, en fait hyper sous-cotée, surtout qu'au moment où je vous fais la vidéo, elle s'échange à environ 1,50$, et il faut savoir qu'en février seulement, elle était encore à 40 cents. Pour vous dire à quel point aujourd'hui elle a pris une exponentielle hausse, c'est très bien, mais c'est peut-être que le début encore. C'est que peut-être que maintenant qu'on considère c'est quoi Cardano, sa puissance et son potentiel, et c'est donc l'objet de cette vidéo. Alors, pour que ce soit un peu plus structuré, ce qu'on va voir dans un premier temps, premier chapitre, on va naturellement voir le contexte en fait et l'équipe derrière. Pourquoi ils ont décidé de créer Cardano, quels étaient en fait les objectifs qu'ils avaient. La deuxième partie, on va s'intéresser un peu à la blockchain qu'elle présente en fait. Qu'est-ce qu'elle a d'original? C'est quoi sa valeur ajoutée? Vous allez voir que c'est du lourd et que c'est pas pour rien qu'on parle d'Ethereum Killer, même si on en reparlera dans cette vidéo forcément. Et avec la voix qui déraille, pardon. Et donc dans le troisième chapitre, on va voir ça un peu du point de vue de l'investisseur, s'il faut investir, comment investir d'ailleurs, quelle wallet utiliser. Et enfin, dernier chapitre, on va se poser la question de savoir si ça porte vraiment le nom d'Ethereum Killer, parce que c'est une expression aussi qu'on emploie, peut-être qu'on en abuse, et quel serait le futur en fait de Cardano. À considérer que peut-être que ce serait pas forcément le concurrent ultime qui va remplacer Ethereum, mais simplement qu'ils vont cohabiter ensemble. Alors même si j'ai donné une partie de la réponse, je vous invite quand même à regarder cette vidéo, bien évidemment, jusqu'au bout, ou alors directement à passer à la conclusion. Et bien voilà, on peut passer donc au premier chapitre, qui est le contexte et l'équipe derrière. Alors, peut-être que vous le savez déjà, mais le cofondateur de Cardano, c'est Charles Hoskinson. Charles Hoskinson, il est hyper connu dans l'univers de la blockchain. Pourquoi? Parce que c'est le cofondateur aussi d'Ethereum. C'est-à-dire qu'on parle pas de n'importe qui, donc on parle de quelqu'un qui avait déjà pensé au futur de la blockchain, et pas n'importe laquelle avec Ethereum, donc, qui avait travaillé dessus et qui, on connaît pas trop en fait les raisons, il y a des rumeurs, il y en a qui disent que c'est simplement pour des raisons de gouvernance ou quoi. Toujours est-il qu'Hoskinson a décidé de quitter la boîte Ethereum, la fondation, etc., de plus travailler avec Vitalik et de créer son propre projet. Alors ce qui est intéressant avec Hoskinson, c'est déjà de par sa formation, c'est-à-dire que c'est un ponte universitaire, le mec il a fait des études en théorie analytique des nombres, il a une vision, on va dire, très scientifique de la blockchain. Eh bien, il a déjà inculqué ça en fait dans le projet Cardano, c'est l'un des projets, entre guillemets, je trouve pas le meilleur mot à dire, mais l'un des plus intellectuels qui existe sur la blockchain. C'est-à-dire que là, il s'est entouré de doctorants dans plusieurs disciplines, que ce soit l'ingénierie informatique, la mathématique, enfin la physique aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce projet-là, il est pensé, il est conçu par pas mal de chercheurs et de scientifiques. Et là, je me permets de faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose que j'écris souvent en fait dans les articles. Mais il faut savoir que dans la blockchain, les meilleurs projets, en fait, les projets les plus intelligents, hein, pour le dire comme ça, sont pas forcément les plus rentables d'un point de vue de l'investisseur, parce que souvent, il y a un problème de communication et de visibilité. En fait, un très bon projet crypto, pour vous le dire comme ça rapidement, c'est quand il y a une jonction parfaite entre l'intelligence du projet, l'utilité, etc., et le commercial qui va très bien avec, c'est-à-dire quand il y a un esprit aussi ou quand il y a simplement des businessmen à l'intérieur. Et quand il y a une jonction, quand ça se mélange bien, c'est-à-dire quand dans l'équipe, il y a autant de chercheurs
scientifiques que de businessmen qui ont une approche commerciale de la chose, qui vont savoir vendre, communiquer, faire du marketing sur cette crypto-là, en général, ça fait un truc parfait, quoi, typiquement Ethereum et d'autres projets d'ailleurs. Mais voilà, je referme simplement la parenthèse parce que c'est quand même important de garder ça en tête, de savoir que Cardano, c'est un projet de recherche. Et d'ailleurs, on l'a vu tout de suite quand ils ont lancé leur white paper. C'est anecdotique, mais ça a toute son importance. Et le white paper, comme vous savez, c'est la carte d'identité très détaillée en fait d'un projet. On va tout trouver dessus, que ce soit l'équipe, le contexte, encore une fois, la roadmap, les prévisions, etc. Simplement en regardant le white paper, on voit que c'est un projet qui se distingue des autres. On voit que c'est un projet qui veut vraiment faire avancer la blockchain, parce qu'il y a des recherches, il y a des suppositions, il y a des suggestions. Enfin, je ferme la parenthèse, mais c'est important de savoir ça en fait pour bien comprendre Cardano par la suite et pourquoi en fait on dit que c'est sous-évalué, quoi. Ça a mis du temps, comme toujours, surtout quand c'est compliqué, pour qu'on comprenne un peu le grand potentiel que ça a. Alors pour revenir à Hoskinson, quand il a voulu créer Cardano, très simplement le premier objectif qui s'était fixé, c'était de résoudre les problèmes de scalabilité de la blockchain. On y revient, on en avait parlé la dernière fois dans la précédente vidéo. C'est-à-dire que le problème tout simplement que on n'arrive pas à l'utiliser à grande échelle. Et bien lui, dès le départ, il s'était dit je vais créer une blockchain qui va pallier à ce problème-là. Donc dès le départ, Cardano s'est situé comme étant une blockchain de troisième génération. Je rappelle rapidement que Bitcoin, dans la mesure où elle peut faire que du paiement, Bitcoin, blockchain de première génération, ok. Ethereum et les blockchains qui permettent de créer des applications décentralisées, qui permettent de créer des tokens, etc. On appelle ça des blockchains de seconde génération. Et il y a d'autres blockchains, typiquement Polkadot et Cosmos par exemple, qui, comme Cardano, hein, Cardano troisième génération, qui se disent nous, on va créer une blockchain plus supérieure, plus avancée, qui va permettre justement de résoudre des problèmes de scalabilité sans forcément faire appel à des layers. Eh bien, imaginez, les blockchains de génération 3, elles sont déjà pensées pour être plus scalables. Eh bien, justement, là, on peut passer au chapitre 2, justement, pour creuser un peu ce point-là et voir en quoi, alors, elles sont plus scalables. Et on va donc parler de l'architecture relativement exceptionnelle de Cardano et voir en quoi c'est absolument génial, d'un point de vue théorique au moins. Alors, faut savoir que contrairement à Ethereum qui, comme vous le savez, est créé sur une seule couche et dans laquelle on va rajouter des layers 2 pour que ce soit plus rapide, etc. Eh bien, Cardano, elle, dès le départ, elle s'est construite sur deux couches différentes, donc deux layers. Ça, c'était déjà hyper innovant à l'époque où on parlait pas trop des layers 2, justement. Et alors, faut savoir que ces deux couches ont deux fonctions bien précises. La première, c'est la Cardano Settlement Layer, donc connue sous le sigle CSL. Et c'est là où, en fait, où toutes les transactions vont être traitées, tout simplement. Tandis que la deuxième couche, donc la CCL, eh bien, elle va permettre de déployer, justement, les contrats intelligents et les applications décentralisées. Donc, vous voyez, il y a deux fonctions bien différentes sur les deux couches. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il y a moins, ça, on pourra rentrer dans les détails après, en fait, mais il y a moins de, forcément moins de congestion parce que chaque couche, elle va faire, en fait, des transactions, des opérations qui sont bien définies pour chacune d'entre elles. Donc, voilà, retenez ça parce que on ne peut pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, l'architecture déjà de la blockchain Cardano, elle était tout de suite innovante en se disant, nous, on va fonctionner sur deux layers différents, ça va permettre de décongestionner un peu le tout. C'était remarquable, encore une fois, surtout pour l'époque, on était en 2015, même si ça s'est peaufiné avec le temps. Alors, ce n'est pas seulement ça qui fait la puissance de Cardano, même si ça participe grandement à sa performance. Ce qu'il faut absolument savoir sur Cardano, on va dire la chose la plus importante, c'est son mécanisme de consensus. Il faut savoir que elle a déjà mis en place la Proof of Stake et c'est avec la Proof of Stake en fait qu'on s'est rendu compte parce que je vous le rappelle rapidement, Ethereum 2.0, c'est en fait pour résumer, c'est simplement le passage d'Ethereum qui fonctionne comme Proof of Work sur un mécanisme de consensus Proof of Stake. C'est comme ça en fait qu'elle va déjà être moins énergivore, etc. Donc ce passage-là qui est tellement dur, qui est franchement pénible, ça fait de la peine, il faut le dire, c'est pénible un peu pour Ethereum et puis pour nos autres utilisateurs, mais c'est ce passage-là qui est hyper complexe, surtout quand pendant des années on a tourné sur la Proof of Work, eh bien ce passage-là, pas besoin de le faire, on est déjà dessus avec Cardano. Pour la petite anecdote, par rapport à ça, vous savez quand Elon Musk il a fait son tweet qui a été, qui a précédé un peu le crypto crash, même si le crypto crash n'est pas dû qu'à ça. Quand il a dit non mais moi j'arrête, Tesla ne va plus accepter les bitcoins parce que c'est trop énergivore.
Il faut savoir que, par exemple, Hoskinson, il avait tweeté en disant « Alors pourquoi pas passer à Cardano ?» parce que justement, elle est moins énergivore. Ça, c'est un petit détail. D'ailleurs, il y a d'autres fondateurs qui ont proposé leur crypto-monnaie. Mais c'est pas anodin parce que justement, son mécanisme de proof of stake, il est plus particulier que les autres. Il a été pensé pour être moins énergivore. C'est ce qu'on appelle le Ouroboros. Alors, Ouroboros, en fait, ça désigne un serpent ou un dragon là qui se mord la queue. C'est simplement le nom qu'ils ont donné. Vous allez voir ou pas s'il y a des liens avec cette image-là. Mais toujours est-il que c'est l'un des mécanismes de consensus les moins énergivores, pour certains les plus éthiques, qui existent. Donc voilà, Cardano, pour retenir les grandes lignes, il fonctionne sur deux layers directement, même si ça n'empêche pas qu'il puisse utiliser d'autres layers par la suite, donc pour le rendre encore plus performant. Donc ça, premier point à savoir. Et l'autre point, comme on a vu, le mécanisme de consensus, donc proof of stake, avec le fameux Ouroboros. Alors c'est surtout ça qu'il faut retenir sur Cardano, et c'est ce qui la rend donc plus puissante et surtout plus scalable. Alors, justement, au niveau de la scalabilité, elle annonce des performances qui sont juste incroyables. C'est-à-dire qu'elle peut devancer, mais même Visa avec ses 24 000 transactions par seconde, c'est une blague à côté. Et justement, bon ben, on va passer au chapitre où on va voir justement pourquoi on a reconsidéré Cardano, parce que sa hausse, hein, la hausse qu'on a connue dernièrement, elle est logique, elle s'explique, comme je l'avais dit dans l'introduction, par le fait qu'ils ont fait une mise à jour, un hard fork, hyper bien pensé, et qui nous amène au Cardano hyper puissant qu'on attendait depuis le lancement. Alors pour bien comprendre Cardano, comme d'ailleurs pour tous les projets crypto, il faut savoir qu'il y a des roadmaps. Ces roadmaps, c'est tout simplement des phases de développement. Et je vous le dis comme ça, là encore, je fais une parenthèse hyper importante et je m'adresse plus aux investisseurs que vous êtes. En général, dans les crypto-monnaies, vous pouvez vous amuser comme vous voulez à faire de l'analyse chartiste, à repérer, à vous aider d'indicateurs, etc. Mais il y a un élément qui gagne, qui vous fait gagner à tous les coups. Désolé, j'emploie le mot gagner, mais pour vous dire que ce qui va vous donner des points d'entrée les meilleurs, c'est de simplement regarder quand les roadmaps vont être lancés, enfin, quand on va passer à une nouvelle phase. Quasiment, c'est systématique. À chaque fois, ça se vérifie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une blockchain se met à jour, qu'elle met en place en fait une nouvelle phase, en général son prix grimpe. Ça se vérifie tout le temps, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo et je referme encore la parenthèse. Je ferai pas plus de deux parenthèses, rassurez-vous. Donc revenons sur les phases de développement de Cardano. Pour la roadmap de Cardano, elle est visible, on peut la voir. Alors c'est des phases de développement, hein, tout simplement. Alors la première phase était la phase Byron, la deuxième phase c'était la phase Shelley, la troisième la Gogan et la phase 4 Basho, et enfin la dernière phase pour l'instant qui a été pensée, c'est la phase Voltaire. Alors d'ailleurs je dis phase, mais le mot concret pour Cardano ce serait plutôt des airs. Et d'ailleurs vous avez vu les noms qu'ils choisissent. Ce qui est intéressant aussi, bah, pas vraiment intéressant, mais disons original avec Cardano, c'est qu'à chaque fois les noms qu'ils choisissent, que ce soit pour leur phase de développement, c'est toujours lié en fait à des mathématiciens ou à des chercheurs scientifiques qui ont marqué l'histoire de la science. D'ailleurs, le nom de Cardano, c'est une référence en fait à un polymath. Polymath, c'est ce qu'on appelait des personnes qui avaient des connaissances sur tout, sur plusieurs domaines, qui était italien, qui s'appelait Girolamo Cardano. Et pour la crypto-monnaie, donc elle s'appelle ADA, et c'est vrai que c'est tout à fait particulier par rapport aux autres cryptos, parce qu'en général, les autres cryptos, elles prennent les sigles des premiers mots, par exemple Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH, etc., où elles prennent les premières lettres. Mais pour Cardano, c'est ADA. Alors ADA, en fait, c'était un hommage en fait qu'ils ont rendu à Ada Lovelace. Et Ada Lovelace, elle a eu un rôle majeur dans la création et la compréhension de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en gros, elle fait partie des premières programmeuses de l'histoire, et c'est un peu grâce à elle qu'aujourd'hui, on peut naviguer sur des ordinateurs puissants. Voilà, je le dis juste comme ça, mais c'est vrai, comme je vous l'avais dit, Cardano, c'est un projet quand même pensé par des intellectuels, et je trouve que ça se voit dans les références, etc. Voilà, savoir inutile sur Cardano, mais quand même intéressant. Donc bref, reprenons. Ce qui a fait qu'on a considéré Cardano encore une fois, et que là, on s'est dit, bon, bah, c'est encore le moment d'investir, et même, c'est le moment d'investir plus que jamais sur cette crypto-monnaie-là. Et si on a reconsidéré Cardano, c'est lié au hard fork, donc qui a eu lieu le 1er mars. D'ailleurs, pour Hoskinson, c'est une date historique, donc qui s'appelle Marie. D'ailleurs, Marie Shelley,
c'est l'auteur de Frankenstein. Encore une fois, une référence, mais une référence historique et culturelle, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Toujours est-il que là, dans ce projet-là, dans ce hard fork-là, il a marqué un vrai tournant avec Cardano, parce que c'est comme ça que Cardano est devenu une blockchain multi-asset. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant sur Cardano, donc grâce à cette mise à jour, c'est de créer des tokens personnalisés, donc natifs, tout comme ADA, par exemple. C'est vraiment dingue, et c'est comme ça qu'à partir de là, en fait, vraiment, pour vous le dire clairement, c'est comme ça qu'on s'est dit « Ah, Ethereum Killer, en effet !» C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était vraiment de la théorie, et là, à partir du moment où on peut créer maintenant, il y a déjà, ça a commencé, on va dire qu'il y a de plus en plus de développeurs qui créent des tokens dessus. En plus, elle est extrêmement facile, plus facile à créer parce qu'il n'y a pas ce système de smart contract, etc. Bah maintenant, on peut utiliser Cardano pour créer des tokens. Vous imaginez bien l'engouement que ça suscite. Et encore une fois, c'est comme ça hein, que la courbe exponentielle se justifie parfaitement. Donc cette mise à jour-là, elle a mis sur un pied d'égalité, on va dire, Cardano avec Ethereum, et on est sorti de la théorie pour arriver dans la pratique. Et il s'avère que, pas de chance, enfin, c'est pas une question de chance ou quoi, mais Ethereum, c'est devenu tellement compliqué et tellement cher pour créer des tokens, etc., qu'à côté, bah, Cardano, elle fait de l'œil, en fait, elle fait de l'œil aux nouveaux développeurs, et en plus, elle a mis une fonctionnalité qui permet de migrer des tokens ETH. Donc, le truc incroyable, clairement. Et indirectement, vous comprenez que tous les éléments qui font qu'une blockchain est puissante, hein, scalabilité, évolutivité, composabilité et interopérabilité, et bien dis donc ça fait beaucoup, mais tous ces éléments-là en fait sont pris en charge, sont permis, sont rendus possibles grâce à Cardano. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes regardent et s'intéressent de près à Cardano, parce qu'en plus, là pour vous le dire rapidement, on n'est qu'à un niveau de développement et il y a des beaucoup plus puissants qui s'apprêtent à venir. Je vous parlerai rapidement de la mise à jour Hydra qui permettrait, dans l'absolu, dans l'idée, de faire plus de 1 million, voire 2 millions de transactions par seconde. 2 millions de transactions par seconde, je vous rappelle que Visa en fait 24 000. Donc forcément, avec des chiffres pareils, Cardano rend fou les investisseurs. Et maintenant, on passe au chapitre, au chapitre final. Je vais tout regrouper finalement, parce que je pense que la vidéo est assez longue, et si vous êtes encore là, chapeau. Alors, donc le chapitre final, c'est de ce que je voulais vous dire, en fait, c'est de simplement voir comment on pouvait en acheter. En tous les cas, on peut en acheter sur la majorité des plateformes d'échange, ça c'est un fait. Alors moi, forcément, ça fait longtemps que je suis dans les crypto-monnaies, donc je l'ai eu à un prix ridicule, mais vous allez me dire, il y a quelques mois en arrière, ça valait encore pas grand-chose. Alors, ce qui est intéressant avec ADA, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aussi donc en acheter et le hodler, parce que beaucoup de personnes disent, si on parle d'Ethereum Killer, c'est-à-dire une blockchain dans laquelle on pourrait faire à peu près les mêmes choses qu'on fait avec Ethereum, qui en plus, il n'y a pas tous les problèmes d'Ethereum. Vous pensez bien que dans quelques années, ça voudrait dire, tout comme l'ETH, elle pourrait prendre une hausse monumentale. Alors, qu'elle atteigne bientôt les 10 dollars peut-être ou les 100 dollars, en tous les cas, je pense qu'il faut se placer, je pense, et beaucoup d'autres personnes pensent, que quand même il faut se placer sur un horizon large. C'est pas parce que vous allez investir demain que vous allez forcément vous enrichir grassement avec. Mais sur le long terme, il s'avère que ça peut être un très bon placement, c'est un fait. Alors, je vous rappelle que c'est pas un conseil financier, même si je crève d'envie de vous dire tout simplement que c'est un très bon projet pour le coup. Alors là, quand on pense que SafeMoon n'a pas de problème à lever des fonds et que Cardano a plus de mal, tout ça c'est une question de marketing, mais en tous les cas, c'est un très très bon projet qui est bien solide. Alors aussi par rapport à ça, ce que je voulais vous dire par rapport au wallet, il y a le wallet officiel de Cardano que vous pouvez télécharger, et donc là vous aurez une copie de la blockchain, c'est quand même assez lourd. Moi, c'est pas ça que j'utilise. Si vous voulez rentrer vraiment faire partie de la communauté et des utilisateurs de Cardano, vous pouvez tout simplement sinon utiliser le wallet Lite, donc qui s'appelle Yoor, qui est pas mal. Moi, je l'utilise sur mon téléphone et vous pourrez faire du stacking. Alors honnêtement, je vais pas vous mentir, ça reste quand même un peu compliqué de faire du stacking comme ça. Il faut avoir quand même un peu de connaissances ou alors suivre un bon tutoriel. Est-ce que je le ferai ou pas? En tous les cas, je pense que j'écrirai un article. Mais sinon, il y a des sites qui vous permettent de faire du stacking. Moi, je sais que j'ai du ADA sur MyContainer. Je vous en avais déjà parlé. Et voilà, je gagne environ 4% par an. C'est pas énorme, mais je vous assure qu'en plus avec la hausse, et moi j'avais investi il y a pas mal de temps, j'ai quand même enregistré des gains intéressants. Donc ça peut être un bon moyen aussi pour vous de générer des revenus passifs avec vos ADA et de faire un investissement qui est correct, raisonnable.
raisonnable sur lequel vous n'avez pas à vous soucier de l'aspect technique. Alors on va quand même passer au chapitre final de la conclusion, mais j'ai remarqué, ça c'est un défaut que j'ai, finalement je vous donne à chaque fois des éléments de conclusion tout au long de la vidéo et je me retrouve avec une conclusion un peu disparate ou concise. Peut-être que c'est mieux, je sais pas, je pense pas. Alors comme ça on peut passer au chapitre final, je pense que vous connaissez l'essentiel à savoir sur Cardano, en tous les cas à mieux comprendre pourquoi c'est une bombe atomique qui est peut-être sous-évaluée, comme beaucoup d'autres cryptos d'ailleurs. Et donc voilà, vous connaissez l'essentiel, vous pouvez aller plus en détail, bien évidemment, je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, leur site est hyper complet, c'est-à-dire que vous trouverez toutes les ressources que vous recherchez. Et donc pour le mot final sur Cardano, ce que je peux vous dire, c'est que en effet, c'est un très bon projet, en tous les cas dans l'idée, dans la manière dont c'est géré, dans les objectifs qui se fixent. C'est vrai que les blockchains de troisième génération sont vraiment plus puissantes, en tous les cas plus pratiques à utiliser. Alors, faut savoir qu'au moment aussi où je vous fais la vidéo, Cardano n'est pas encore à son plein potentiel, c'est encore que le début. Et vous allez voir qu'après, il y aura des passerelles entre les différentes blockchains, etc. Ça va être tout simplement génial. En tous les cas, d'un point de vue de l'investisseur, ça reste toujours un très bon projet sur lequel investir. Et encore une fois, vous savez, quand on investit dans les crypto-monnaies, et je finis comme ça, indirectement, bien sûr qu'on peut s'enrichir parce que la crypto-monnaie prend de la valeur, mais n'oubliez pas que quand vous faites cet geste-là, quand on participe, quand on investit, eh bien en fait, on contribue aussi à la recherche, on fait avancer des projets qui en valent le coup, enfin des projets qui ont de vrais objectifs et qui vont rendre cette technologie toujours plus utile, en tous les cas toujours plus pratique à utiliser. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Donc voilà, Ethereum killer ou pas, ça va pas tuer non plus Ethereum parce que Ethereum, il a au-delà de la communauté, il a quand même permis de faire des tas de choses, on est déjà habitué, son concept de Lego monnaie est juste incroyable. Je finis donc avec cette idée-là en se disant, on n'a pas nécessairement à penser comme Ethereum killer, quelque chose qui va remplacer un autre, on peut très bien tous cohabiter, c'est très bien qu'il y ait plusieurs blockchains, peut-être qu'avec le temps, certaines vont se spécialiser dans des domaines. En tous les cas, ça permet tout simplement d'élargir le gâteau et de donner des parts à plus de monde possible, donc c'est une très bonne chose. Il ne faut pas nécessairement voir comme quelque chose qui va détruire l'un et le remplacer. Elles peuvent très bien cohabiter. Encore une fois, je me suis répétée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous remercie. Je serai jamais assez reconnaissante de vous remercier avec vos messages d'encouragement. Franchement, ça me donne du peps pour en faire d'autres, pour moi aussi vulgariser autant que je peux cette science-là, hein, qui n'est pas acceptée par tout le monde. Et je vous remercie. Je vous souhaite de faire de bons investissements. Passez une bonne journée et vive Cardano. Ciao.